Jean 10, verset 1 et les suivants. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais elles ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de pâturage. Amen. Le thème, porte, réalité et leur gestion. Porte, réalité et leur gestion. Je peux aussi formuler ça, les portes dans la vie, les réalités et leur gestion. Dans la vie, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas réside à peu de choses. Et cette différence réside essentiellement, un, dans les opportunités que les uns et les autres rencontrent. Deux, dans la capacité, la manière ou la stratégie d'aborder et d'exploiter chaque opportunité. Ainsi, pour exploiter au maximum les opportunités, comment je veux dire? Ainsi, nous sommes appelés à chaque opportunité que Dieu nous donne, de les exploiter au maximum. Sors de la mentalité de te dire, c'est une opportunité, une autre viendra et une autre viendra. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tu amènes vers nous les opportunités. C'est à nous de les exploiter et opérer dans la loi de l'application. Qu'est-ce que je dis par loi de l'application? C'est-à-dire exécuter les actions qu'il faut dans un contexte en étant concentré. Chaque occasion que tu as dans la vie d'exercer ton talent, chaque occasion que tu as dans la vie de commencer une relation, chaque occasion ou opportunité que tu as, tu dois être sûr que tu opères dans la loi de l'application. S'appliquer à ces tâches exige de bannir toute distraction et dispersion. Il y a des gens qui font tout à la fois. Et ils ratent aussi tout à la fois. C'est comme vouloir réviser ces matières en regardant un match de football passionnement. Ça ne marche pas. La loi de porte nous exige à négocier chaque opportunité avec intelligence, à bannir la négligence. Première loi par rapport aux portes, les réalités et leur gestion. Jean 10 que nous avons lu, la Bible dit, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Hébreux ou chez les Juifs? Chaque brebis, selon leur culture ou leur coutume, chaque berger, quand le soir arrivait, prenait les brebis, allait les confier à un enclos. Et dans l'enclos, il y avait celui qu'on appelle le portier, qu'on a lu. Donc, le berger A, berger B, berger C, berger D, chaque berger prenait ses troupeaux. Quand le soir était là, il ramenait le troupeau dans l'enclos. Et chaque portier savait que tel animal appartient à tel autre appartient à tel autre. Et de toute façon, les animaux en ces temps-là étaient cachetés. C'était comme des esclaves qu'on cachetait. Mais les animaux n'étaient pas des esclaves. Ça va? Voilà. Et le matin, ou chaque matin, chaque berger venait parler au portier. Et dès qu'il parlait au portier à partir de la porte, les brebis qui lui appartiennent entendaient sa voix. Et il savait que notre maître est là. Quand le berger A parlé, les brebis qui appartiennent au berger C ne vont pas se mouvoir.
ils savaient la voix de leur maître. Et quand les animaux s'approchaient, le portier devait ouvrir parce que celui qui les a confiés pour la nuit est arrivé. Et ils sortaient des enclos. Jésus est la porte de brebis. Aide-moi à dire à ton voisin, il est la porte de brebis. Aide-moi à dire encore à ton voisin, il est la porte de brebis. Je viens dire à quelqu'un, pendant un temps, on t'a mis dans un enclos. Mais ce n'était que provisoire. Je viens annoncer à celui qui croit, le matin est arrivé pour toi. La nuit, on t'amène dans l'enclos. Mais le matin, le bon berger vient. Ça, c'était de berger. Mais moi, je te parle de ce matin. Pas d'un berger, mais du bon berger. Il est le seul. Il peut permettre que pendant un temps, tu sois comme emprisonné. Mais le matin, il vient te sortir. Je lève la main. Celui qui croit reçoit cette parole. Tu sortiras de cet enclos au nom de Jésus. Tu sortiras de l'enclos des limitations. La nuit, il t'a placé. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas dans l'enclos parce que tu es enfermé par les démons. Tu n'es pas dans l'enclos parce que la sorcellerie est forte. Mais tu es dans l'enclos parce que c'était la nuit. Et moi, ton maître Jésus, j'ai déplacé dans l'enclos. Maintenant que c'est le matin, je viens te sortir. Je lève ma main sur celui qui croit. Les paroles que nous proclamons sont vie et esprit. Moi, je parle ici, mais les paroles qui sortent de ma bouche vont en dehors de ce lieu. Ça va dans ton bureau. Ça va là où tu joues au football. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Tu sors de tout enclos de limitations au nom de Jésus. Il dit, les brebis entendent sa voix. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu ne dois pas confondre la voix de Dieu. Tu dois marcher dans l'écoute. Et tu dois être une brebis, tu ne dois pas être un bouc. Brebis, signe de soumission au Seigneur. Signe de dépendance. Signe d'appartenance. Signe de consécration. Dis à ton voisin, signe de renoncement. Si celui de gauche ne parle pas, parle à celui de droite, ne t'occupe pas de lui. Signe de renoncement. Nous marchons avec lui, mais nous voulons qu'il fasse notre volonté. La Bible dit, la nuit, le berger venait déposer ses brebis. Mais quand le matin était là, il venait sortir ses brebis. J'annonce à quelqu'un que ta nuit est en train de finir. Ta nuit est en train de finir. Les temps de pleurs, les temps de deuil, les temps d'endettement, Dieu va t'en tirer au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un, le soir, c'est comme si Jésus t'abandonne. Tu as un maître, mais il te donne comme à un autre maître qui doit te gérer. Mais quand le matin vient, il vient à la porte. Personne ne lui résiste. Quand il se tient à la porte, même les portiers savent qu'ils doivent. C'est le temps où tu dois sortir des enclos. La Bible dit, quand il vient le matin, il parle, ses brebis entendent. Le portier ne résiste pas à la sortie. J'ai dit à quelqu'un, on ne te résistera pas à la sortie. Tu sortiras parce que tu n'es pas entré là par la volonté des portiers. Mais tu es entré là parce que ton maître la nuit est venu te placer là. Tu as cru qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il t'avait posé là parce que la nuit tu dois être en sécurité. Il y a des portes que Dieu ferme parce qu'il veut te sécuriser. Il y a des larmes qui peuvent couler parce que Dieu veut te sécuriser. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Il y a 2 ans, on devait venir ici pour midi en prière. Dieu ferme la porte. On nous prive le visa. Apprends à dire au Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu ne sera plus Dieu à cause d'un visa qu'il me prive. Dieu est Dieu même le jour où tu manques. Dieu est Dieu même le jour où tu pleures. J'écris à l'esprit de quelqu'un, sors de la rébellion. N'écoute pas cette voix qui te pousse à la révolte. Ne te révolte pas contre Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de préparer quelque chose de fort. Ainsi parle l'Éternel à celui qui croit. La nuit, je t'ai mis dans l'enclos. Mais le matin, je te sortirai de l'enclos. Tu sortiras des limitations. Je te sortirai moi-même de cette prison. Je te conduirai dehors. Et la Bible dit, les brebis entendent sa voix. Et il les conduit vers le vert pâturage. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé, il va te conduire quelque part. Il ne te sort pas pour te sortir. Mais quand il te sort, lui marche devant et toi tu es derrière. Suis-le. Écoute-le. Quand il dit oui, oui. Quand il dit non, non. Quand il dit arrête-toi, arrête-toi. Quand il te dit cet argent n'est pas à toi, donne ça. Il n'y a plus d'amen. Je continue.
J'ai dit à quelqu'un, c'est ton matin, c'est ton temps de sortir de cet enclos pour aller vers le vert pâturage. Les bons bergers vont te conduire vers le vert pâturage, vers symbole d'abondance, vers symbole de prospérité, vers symbole de vie, vers symbole de paix. Je lève la main, c'est la saison de la paix au nom de Jésus. Même quand tu n'auras pas, sois en paix. Bats-toi pour conserver cette paix. Dieu n'est pas Dieu quand nous avons des choses. Dieu n'est pas Dieu quand nous voyageons. Dieu n'est pas Dieu quand nous avons des documents. Il est Dieu même quand nous n'avons pas de documents. Il va te conduire dehors. J'ai dit à quelqu'un, le temps de l'enclos est fini. Le temps d'être enfermé est fini. Le soir, j'ai permis que tu sois dans l'enclos parce que je voulais te sécuriser, te sécuriser. Je ne suis pas méchant contre toi. Je sais ce que je fais. Le soir, je dois te sécuriser. Le soir, je te mets à l'abri. Le soir, je te préserve. Mais le matin, je viens, je te sors des enclos. Et quand je viens te sortir, aucun chef de famille ne peut me résister. Aucun occultiste, aucun magicien. Je suis assez puissant pour ouvrir la porte et te sortir de cette situation. Je lève ma main, que Dieu te sorte de cette situation quand tu donnes amen. La dimension de ton amen détermine la dimension de ta sortie. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Deuxième loi. Mais dans la première loi, je continue d'abord. Il dit, je suis la porte de brebis. Il n'y a de salut en aucun autre nom. On ne vient pas à l'église dimanche pour calmer sa conscience. Allez, laissez-moi en parler. Dimanche, ce n'est pas le jour du sport. Tu nourris ton corps, mais tu ne nourris pas ton esprit. Et l'Occident nous a habitués comme ça. Il faut aller au sport dimanche, à l'heure de la prière. Tu as nourri ton corps. Tu as travaillé pour l'équilibre de ton physique. Mais ton esprit est chétif. Quoi, cher Corée? Jésus est la porte de brebis. Et quand on entre, on sort par cette porte, on va trouver du vert pâturage. Tu ne peux pas aller vers le vert pâturage si tu n'es pas sorti par la porte. Il n'y a que la porte qui amène au bonheur. Il n'y a que la porte qui amène au succès. Il n'y a que la porte qui amène à la paix. Sinon, tu utiliseras d'autres portes. Tu iras vers l'occultisme. Tu iras vers la magie. Tu iras dans le mensonge. Tu vas te débrouiller pour vivre. La porte n'est que Jésus. Et pour toi qui es là, qui ne connais pas encore le Seigneur, ou tu le connaissais, mais tu as rechuté, il n'y a de salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus sauve. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis la porte. Où veux-tu aller? Moi, je suis la porte. Deuxième loi. C'est Dieu qui place devant nous deux portes. Apocalypse 3, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je viens dire à quelqu'un, ce ne sont pas des paroles que je lis, ce sont des oracles que je déclare. Quand dans ta vie, tu es devant un obstacle, Dieu va envoyer un oracle qui va amener un miracle. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu ne seras pas bloqué, les portes vont s'ouvrir devant toi. Ah, quand tu donnes amen, j'exagère. Je lève la main, je déclare que c'est la saison des portes ouvertes. Que Dieu place devant toi des portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Et il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est pourquoi il faut garder la parole de Dieu. Même si tu n'as pas encore la puissance, garde la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Je lève ma main, que Dieu te mette devant toi des portes ouvertes. Il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 8. Verset 8. On continue. Voilà. Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu veut faire pour toi ne ratera pas. Ça ne sera pas avorté. Dieu le fera. Tu m'entends? Le songe qu'il t'a montré là, ça s'accomplira. Tu m'entends? C'est en quoi tu crois, ça s'accomplira. Tu toucheras cet enfant. Tu obtiendras cette porte. Tu entreras par cette porte. Je lève ma main. Personne ne fermera ce que Dieu ouvre pour toi. Tu entreras. Il dit, j'enverrai ceux de la synagogue de Satan.
Dieu va t'établir dans l'autorité, dans la puissance. Tu auras un esprit fort. Ceux de la synagogue de Satan vont se soumettre devant toi. La magie, l'occultisme, j'élève ma main. Aucun culte satanique ne tiendra contre toi. Je répète encore, aucun culte satanique, aucun rassemblement des occultistes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur rang, ne tiendra contre toi. Il y a assez de puissance ici en Christ. Et c'est déjà trop tard, tu ne peux plus perdre. C'est déjà trop tard. Ta victoire est consacrée, arrêtée par le ciel, ordonnée par Dieu. Jésus dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc Jésus n'est pas venu discuter aux captifs, pour les captifs. Jésus est venu proclamer. Je viens dire à quelqu'un, quand quelqu'un vient pour proclamer, il n'y a plus de débat. Les débats et les délibérations existent dans la salle des délibérations. Là, le professeur est en train de dire, il passe ou il ne passe pas. Vu cette côte, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des débats qui se passent dans les conseils. Mais quand le conseil a déjà décidé, ce n'est plus le temps de la délibération. C'est le temps de la proclamation. Quand Jésus dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer. Indirectement, il dit que je viens du ciel. Je viens de participer au conseil céleste. Et ne siège au conseil céleste que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même les grands démons de ta famille ne siègent pas là-bas. Oh, 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 tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Quand on décidait sur le sort de ta bénédiction, même l'homme le plus élevé dans la sorcellerie, du milieu où tu travailles, ne siégeait pas là-bas. Là-bas ne siège que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même leur maître, les diables, ne siègent pas là-bas. Je viens dire à quelqu'un, là où on décide pour ta bénédiction, c'est trop haut. C'est un mode opératoire trop élevé. Personne n'arrive là-bas. Ceux qui sont dans ces conseils ne sont que des personnes qui te sont favorables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les gars vient, il dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour proclamer. Je ne suis pas venu pour négocier moi. Moi, Jésus, je ne négocie pas avec la maladie. J'arrive en Afrique du Sud par la grâce de Dieu et pour la gloire de Jésus. Parce que Dieu m'a dit, quand tu parles des expériences de guérison, honore-moi. Diminue. Pendant les services, je vois les pasteurs venir. Il me dit un mot à l'oreille. J'ai raconté un témoignage. Comment à Kin, à la Mague, Dieu avait guéri une sœur qui pendant 2 mois, son oreille gauche n'entendait plus. Pendant les services de guérison, l'eau a coulé de ses oreilles. Je sais que toi, tu es trop intello. Tu penses que c'était l'eau quand il s'est lavé qui était restée. Je vais te donner d'autres exemples de 12 ans. Et quand je parlais de cet exemple, la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi les prédicateurs parlent de leurs expériences? C'est parce qu'il faut créer la foi. Et je n'ai pas d'autre méthode pour créer la foi que de te parler de ce que Jésus fait. C'est faux de croire que le Dieu de la Bible est resté dans la Bible. C'est faux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il fait encore ces choses. Je ne te parle pas d'un Dieu qu'on m'a parlé. Je te parle d'un Dieu que j'ai rencontré. D'un Dieu que j'expérimente au quotidien. Et quand j'ai raconté cette histoire de 2 mois, il y a une sœur qui était dans la salle. L'atmosphère qu'il y avait l'a contaminée. Elle est tombée à terre sous l'action du Saint-Esprit. Quand elle se met debout, elle commence à célébrer. Et le pasteur vient me dire, papa, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a fait 12 ans. Elle n'écoute plus avec son oreille droite. Depuis 12 ans, elle était guérie sur le champ. Sur le champ. Pour la gloire de Jésus. Par Jésus. Mais au travers de l'homme inutile que je suis. Le problème que nous avons pour fonctionner dans le don de guérison, quelqu'un vient pour que tu pries pour lui. Écoute la prière que nous faisons. Seigneur, si tu veux, guéris-le. Les gars est allé à la croix pour ça. C'est la peur qui nous fait dire ça. Jésus n'a pas dit si tu veux. Jésus a dit, allez guérissez les malades. Vous. Dis à ton voisin, Jésus te fait confiance. Si tu es d'accord, donne un amen plus fort que ton voisin. Donne un amen qui va ouvrir l'onction de la guérison. Les cancers disparaissent. C'est Jésus qui le fait. Dédé est un homme inutile. Il m'a dit, chaque fois que tu en parleras, rends-moi gloire. Ne partage jamais la gloire avec moi, Jésus.
En Afrique du Sud, il y a un paralytique, il était au troisième rangée. À la troisième rangée. Il avait des béquilles. Et j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, guéris-le. J'ai dit, Seigneur, dans ces pays ici, tu risques de prier après deux jours, on vient. Il y a trop de lois aussi. C'est pourquoi il faut des miracles authentiques. Et Jésus sait le faire, pas moi, Jésus. Voilà. La Bible a dit, au commencement, les ténèbres remplissaient. Dieu dit que la lumière est la lumière. Écoutez. Maman Solange, il y avait les ténèbres au pluriel. Mais quand Dieu vient pour guérir, il ne dit pas les lumières, il dit la lumière. Je connais un singulier qui domine le pluriel. Je n'ai pas besoin de nombre de problèmes que tu as. Moi, je viendrai avec le seul nom de Jésus. Il est la lumière. Il n'est pas les lumières. Mettez les ténèbres au pluriel. Mais nous viendrons avec la lumière. Quand il parle, son ainsi dit devient un ainsi fait. La Bible dit, avant qu'il ne parle, le Saint-Esprit s'est mouvé sur le sceau. Bien-aimé, il n'y a pas que les mauvais esprits. Nous sommes trop conscients de mauvais esprits. Nous sommes conscients qu'il y a un mauvais esprit qui agit dans notre famille. Il y a un mauvais esprit qui agit dans cette maison. C'est une maison hantée et on a peur. Écoutez, dans le monde spirituel, la parole crée. Mais chez les Français, les paroles s'envolent. Le Saint-Esprit s'est mouvé sur le sceau. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire, l'Esprit a pris la parole et l'a matérialisée. Tu vas me comprendre. Jésus était Dieu sous forme de parole. Mais la Bible dit, la parole s'est faite chair. Dans notre royaume, aucune parole n'est parole en l'air. Quand la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, verset biblique. Mais moi, dans ma vie, c'est plus un verset théorique. Je suis marié. C'est-à-dire, cette parole a revêtu la chair. Chaque verset biblique que tu vois doit revêtir la chair. Sinon, ce n'est pas la chrétienté. Et qui fait ça? Le Saint-Esprit. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je viens dire à quelqu'un, la porte qui est devant toi, personne ne peut la fermer. Quel que soit son rang spirituel, personne ne peut se tenir là. Il dit, j'enverrai ceux de la synagogue de Satan. Ils viendront se prosterner devant toi. Ils sont de la synagogue de Satan. C'est-à-dire, ils vont dans le lieu où ils invoquent Satan de manière claire. Je viens dire à quelqu'un, n'aie peur de personne. Même s'il te dit que moi je coupe les têtes des animaux. Je jette. Vous savez, il y a des gens qui font des sortilèges et des sacrifices. Quand tu regardes, tu doutes de ta chrétienté. Mais Dieu dit, même ceux de la synagogue de Satan. Mais le problème, ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Et pour avoir cette porte, il faut garder la parole. Je viens de dire à quelqu'un, celui que je présente ce matin, quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Je lève ma main, je déclare la porte du mariage ouverte. Je déclare la porte de la maternité ouverte. Je déclare la porte de l'emploi ouverte. Bon, tu ne donnes pas, amen, c'est ton problème. Je déclare la porte des augmentations des salaires ouvertes. Je déclare la porte des avantages sociaux ouvertes au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent et tu les expérimenteras. Dois-je commencer à continuer à enseigner ou faire les services? Il existe des portes. S'il est vrai qu'en règle générale, que c'est Dieu qui nous conduit devant des portes, tel qu'Apocalypse 3. Il existe des portes qui s'ouvrent parce que, premièrement, nous avons la clé. Et là, je vais aller rapidement. Matthieu 16, que dit-on que je suis? Il dit, les uns disent que tu es, les autres disent. Maintenant, il demande, vous, que dites-vous que je suis? Paul, Pierre se démarque. Il dit, tu es le Christ. Comme c'est toi qui as découvert, tu n'es plus dans le lot. Toute personne qui écoute ou qui découvre devient pionnier. Laissez-la. Je répète encore. Ils étaient à 12. Mais celui qui connaissait a pris le dessus sur les autres. Quand on a la clé de la révélation, quand on connaît les dieux qu'on sert, on devient positionné. Ils étaient à 12. On pose la question. Que dit-on que je suis? Que dites-vous? Pierre dit, tu y es. Et Christ dit, ce ne sont pas la chair et les sangs, mais c'est mon Père.
la clé de la révélation et de la connaissance dans notre marche en Christ, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il faut une révélation. Il y a des choses que tu ne comprendras pas sans révélation. Révélation par la parole, révélation par la prédication, révélation par des visions, révélation par des songes. En 2010, c'était une nuit, j'ai prié. Dieu m'a dit, appelle ta femme. Pas prendre tes mains, pose sur ses mains. Et laisse-la. Dès que j'ai posé mes mains sur ses mains, l'esprit de prophétie est tombé sur ma femme. 45 minutes, Dieu a commencé à m'expliquer les choses qui sont arrivées le jour de ma naissance, quand ma mère me mettait au monde. Après ça, je suis parti, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qui s'est passé le jour de ma naissance? Dieu m'a dit ça, ça, ça. Il m'a dit ça, ça, ça. Je ne te parle pas d'un Dieu que j'essaye. Je te parle du Dieu que j'ai expérimenté. Et j'ai béni Dieu pour votre pasteur aussi. On parlait avec lui, il m'a dit, pasteur Dédé, Dieu à un moment m'avait dit, retire-toi, 50 jours de jeûne et prière. Le médecin avait dit ceci, c'est là. Il a dit, on ne va plus chez le médecin. En plein 50 jours, maman Solange entre dans la chambre pour lui dire, c'est bon. Ton problème, c'est que tu vis la vie chrétienne avec trop de calculs. Tu n'as même pas le temps de jeûner, tu n'as même pas le temps de prier. L'Occident t'a distrait. Et vous pensez que jeûner, c'est pour nous les quinois. Et merci au pasteur Yves, 50 jours enfermé en Europe. Et des résultats comme ça viennent, qu'on paye le prix. Il dit, tu es le Christ. Dès qu'il dit tu es le Christ, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu n'est bâti du solide que sur du solide. On ne donne pas la puissance à un enfant. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. Et il dit encore deuxième chose, les portes de ces jours de mort. Waouh! Les portes dans la Bible représentent les lieux où les gens se mettent ensemble pour prendre des décisions. Donc quand il dit les portes de ces jours de mort, ce n'est pas des portes physiques. C'est-à-dire là où Satan se rassemble avec toute son armée, même s'il décidait, l'église prendra le dessus. Mais il dit ça à qui? À Pierre. Et il lui dit, je te donne les clés du royaume. Le royaume a des clés. Il y a des clés pour la richesse financière. Donc, il existe des portes qui s'ouvrent parce que nous connaissons et que Dieu nous donne la position et qu'on a des clés. Dans le royaume de Dieu, ta connaissance détermine les clés que tu obtiens pour déverrouiller des situations. Il y a des clés pour ouvrir les finances. Il y a des clés pour ouvrir la bonne santé. Il y a des clés pour la santé. Il y a des clés, il y a des clés. Ça me choque, ils sont à 12. Que dites-vous que je suis? Un seul dit, tu es le Christ. Il oublie les 11, il se concentre sur les 1 qu'il connaît. On donnera à ce qu'il y a. Moi. Plus tu connais, plus tu as la tête. Allez, pardonnez-moi. La tête n'est pas pour les entêtés. Il y a un verset que j'aime, mais que je n'aime pas aussi beaucoup. Vous serez la tête et non la queue. Soyons sincères, vrai. Combien de fois tu as déjà proclamé ça? Mais tu es devenu la tête? Non, soyons sérieux. Si tu vois quelqu'un à la tête, c'est qu'il a la tête, l'intelligence, pour conduire les gens en étant à la tête. La tête n'est pas pour les entêter. Maman, je vais te choquer. Si tu t'occupais de ta tête à l'intérieur, comme tu t'occupes de ta tête à l'extérieur, tu serais loin. Ne soyez pas choqués, les mamans. C'est-à-dire, à l'intérieur, c'est le cerveau. Mais à l'extérieur, ce sont les plantes. Je n'ai rien dit. Il y a mieux à faire avec ta tête. Jésus est la tête de l'église. Il est la tête du corps. Le gars a vaincu sur la terre. Il a laissé son œuvre entre les mains des disciples, des apôtres. Lui est parti au ciel. Mais maman Solange, celui qui est au ciel n'est pas à l'aise tant que le corps n'est pas avec lui. Parce que la tête ne peut pas être détachée du corps. Et le gars là, il travaille, il nous prépare une place pour que là où il est, que nous aussi on vienne. Quand tu as la tête, tu dois travailler pour le corps. On n'est pas responsable pour soi-même. Et c'est le problème du leadership en Afrique.
Comment tu fais pour être le seul qui réussit? Tu es dans l'avenue voisine de la sorcellerie inconsciente. Jésus est la tête. L'église est le corps. Il est parti. Le corps est resté. Il travaille pour préparer la place pour le corps. Parce que la tête n'est pas à l'aise à être à la tête sans le corps. Le royaume de Dieu, royaume, ça signifie basis leos du grec. Ça signifie système mis en place pour gouverner le peuple. Donc quand on te place à la tête, ce n'est pas pour toi. Tu es là pour nous gouverner. Et même si tu ne donnes pas des amens, je répète encore. On en a marre. La tête, c'est pour ceux qui ont le souci du corps. Quand on te place tête, chef de famille, tu dois travailler pour tes enfants. Tu veux la tête, ce n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Deuxièmement, les portes s'ouvrent aussi parce qu'on a frappé, par la prière ou par notre sollicitation, hors prière. Donc il y a des portes qui s'ouvrent parce qu'on a prié pour ça. Mais il y a des portes qui s'ouvrent aussi parce que je suis allé chercher du travail, notre sollicitation. Matthieu 7, 7. Frappez, on vous ouvrira. Troisième loi, rapidement. Matthieu 7, 13 à 15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais ce qui est triste, il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Donc la première porte mène à la perdition, la deuxième porte mène à la vie. Ce sont les différences que j'établis. Et il y en a peu qui la trouvent. Donc la première porte, on dit, beaucoup entrent. Mais la deuxième porte, qui est étroite, on dit, il y en a peu qui la trouvent. C'est-à-dire, la première porte, les gens entrent sans réfléchir. Ils sont attirés par les bling-bling. Toute porte qui s'ouvre devant toi n'est pas la porte à entrer. Parce que quand nous prêchons des portes ouvertes, nous disons toujours, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Tu vas entrer par une porte, c'est la porte de la mort. Il dit, mais la porte est étroite et resserrer le chemin qui mène à la vie. Donc quand tu entres par cette porte, c'est resserré. Le chemin est resserré. Déjà la porte est étroite, mais quand tu entres encore, c'est compliqué, tu te débris. Mais l'autre porte, elle est large. Le chemin aussi, spacieux. Tu marches en sifflotant. C'est le chemin de problème. Bientôt tu vas pleurer. Et que comme tu sifflotes, tu vas demander au secours. Tu vas crier à nous. Tu vas passer de au secours. N'aborde pas les opportunités parce qu'elles sont bling bling. La porte qui mène à la perdition est large. Elle s'offre à toi. Je vais vraiment relever ça. Il dit 13. Beaucoup entrent. C'est-à-dire quand ils arrivent, ils ne réfléchissent pas, ils entrent. Mais écoutez la deuxième porte. Il y en a peu qui le trouvent. Trouver, ça signifie quoi? Les personnes sont arrivées devant. Avant d'entrer, ils ont réfléchi. Réfléchi. Ne prends pas tout du coup. Je chasse l'esprit de fanatisme et d'aveuglement par des choix dictés, plus par nos sentiments que par notre capacité à réfléchir et à écouter la voix du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas que telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14, 12. Il y a la famine à Bethléem. Élimélec fait quoi? Il était riche à Bethléem. C'était l'homme fort. Il prend sa femme. Il part à Moab. Il y a des déplacements qu'il ne faut pas faire dans la vie. On ne se déplace pas parce qu'on veut. On se déplace parce que Dieu a dit qu'on parte. Quand Dieu ferme une porte, même si elle paraît glorieuse, soumets-toi. Il sait pourquoi il ferme ça. Il sait pourquoi il permet ces temps difficiles. Il sait, il te connaît, il t'aime. Et Élimélec, qui était l'homme riche, prend sa femme, ils partent. Là-bas, un, ils s'appauvrissent. Deux, ils perdent tous leurs biens. Ils s'appauvrissent. Deux, Élimélec meurt. Et quand la femme d'Élimélec revient, c'est Boaz le boss. La vie a des choses bizarres.
Oui, il y a un bon travail en Hollande. Qui te dit que tu dois partir là-bas? Pars. Oh, le salaire est beaucoup plus élevé qu'ici. On ne se déplace pas parce qu'on veut se déplacer. On se déplace parce que l'Éternel a dit. La localisation, la bénédiction répond à la localisation. Le lion est lion dans la forêt, pas dans l'eau. Quand dans la forêt il crie, le crocodile a peur. Mais quand le lion entre dans l'eau pour intimider le crocodile, il va être tabassé. Acte 27, vous lirez à la maison. Paul dit, ne partons pas. Je sais que cette navigation va être dangereuse. Mais on a écouté plus le pilote et l'autre. Dès qu'ils ont abordé, tout commençait bien. Après, ça commençait à se compliquer. Je parle à une sœur. Ton père n'est pas d'accord avec ce mariage. Et toi, tu penses que c'est ton père qui te combat. Dieu me dit de te dire qu'il utilise ton père pour te bloquer, pour ne pas entrer dans un chemin qui va te faire pleurer. Si tu es là, Dieu t'a parlé. Ne viens même pas parce que ça te concerne toi. On doit te protéger. À ce temps, le frère est en train de dire, pasteur, passe ce message. Quatrième loi. Apocalypse 3, 20. Là, je vais aller vite. Christ dit, je me tiens à la, je frappe. C'est tenir dans le sens grec. C'est rester quelque part jusqu'à ce que tu obtiennes. C'est pourquoi tu te tiens là. Donc quand quelqu'un dit je me tiens dans la présence du Seigneur, quand on dit je cherche quelqu'un qui se tienne dans ma présence pour intercéder, ça c'est sens là. Je continue. Christ dit je me tiens à la porte et je frappe. C'est pourquoi quand tu vas entrer dans une porte, tiens-toi là. Sois persévérant. Mais je rentre en Christ. Il dit je me tiens à la porte. La porte est là. Et c'est qui frappe? C'est Jésus. Hein? Il dit je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il est à l'intérieur, n'est-ce pas? Il ouvrira. Et la Bible dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Écoute-moi, que deux personnes viennent rapidement, rapidement, pour qu'on court, on est en dehors du temps. Oh, homme de Dieu, merci. Une deuxième personne, merci homme de Dieu. Venez, montez, s'il vous plaît. Rapidement, montez. Pasteur, voilà. Pasteur Emmanuel est là. Merci pour votre humilité. La porte est là. Pasteur Emmanuel veut entrer ici. Quand il vient toquer, toc, n'entre pas. Là, toc. C'est lui qui va entendre la voix. Ouvre. Pasteur, entrez. Nous continuons. Il dit, non, restez en face. Il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. C'est Pasteur Emmanuel qui dit, je souperai avec lui. Ça dit, n'entrez jamais à l'intérieur d'une dimension sans quelque chose à offrir. On lui a ouvert la porte. C'est Christ. Il est entré. Mais même Christ n'entre pas dans nos vies pour entrer. Merci. Et maintenant toi, tu entres à des divots pour entrer. On n'entre pas dans les mariages pour les mariages. On entre dans les mariages pour offrir. Tu ne me comprends pas. Tu es là. Seigneur, ouvre-moi la porte. Que j'aie la promotion, que je devienne directeur commercial. Ça va? La porte s'ouvre. Tu deviens qui? Et les ventes de l'entreprise ne montent pas. La même porte qui s'est ouverte pour te laisser entrer, elle est restée ouverte pour te laisser sortir. Parce que tu n'as pas de résultats. Oh. Oh. Le plus difficile dans la vie, ce n'est pas d'entrer dans une porte, mais c'est de se maintenir à l'intérieur de cette dimension. La seule main qui ferme la porte derrière toi quand tu es entré dans une dimension, c'est ta compétence à l'intérieur et ce que tu offres. Et le problème des chrétiens, c'est que nous entrons et puis alléluia, amen, incompétent primaire. Je répète encore, Christ est la tête parce qu'il va amener le corps. Et toi, en tant que directeur, il n'y a pas d'augmentation des ventes. L'entreprise ne connaît pas de progrès significatif. Et tu viens à l'église pour qu'on jeûne et qu'on prie pour ton poste. Frère, je t'annonce qu'on va te faire partir. Même moi, le pasteur, je demande la permission du pasteur Hugues, je vais dire amen. La seule main, quand tu toques, ta main à la première étape est pour toquer. Mais à la deuxième étape, c'est pour offrir. N'entre jamais à l'intérieur d'une dimension sans compétence.
Deuxième vérité, ne va jamais frapper une porte longtemps, ne va jamais frapper longtemps à une porte pour accéder à la dimension suivante si tu n'as rien à en offrir à l'intérieur. Dans la vie, le plus important n'est pas d'obtenir quelque chose, mais c'est de conserver cette chose. Le plus difficile n'est pas de construire, mais de maintenir l'infrastructure qu'on a construite. Jean 5, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand il commence à marcher, Jean 5, 8 à 11, quelqu'un vient lui dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de... Quand Jésus l'a levé, il était où? Maman Solange, il dit, entre tes mains, c'est un bâton. Mais si tu jettes, ça devient quoi? Moïse. Comment je saurais que si je jette, ça va devenir un serpent? Et beaucoup sont bloqués là, par des calculs. Depuis qu'on lui a dit, jette les bâtons, il a jeté les bâtons. Entre tes mains, c'est un bâton. Quand tu jettes, ça devient un serpent. Comment ça devient un serpent? Je ne sais pas. Comme il a dit, je fais. Et parce qu'il a dit, le mandat est là. Entre tes mains, c'est 100 euros, 1000 euros. Mais quand tu les mets dans une affaire, c'est des conteneurs. Dans ton cœur, c'est le nom de Jésus. Mais si tu crois, tu poses la main, la guérison pénètre et il est guéri. Comment il est guéri? Je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas les mathématiques et la physique. C'est par la foi et les risques. Quand il dit, sors de la barque, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Quand il dit, viens. Quand il dit seulement, viens. Même les eaux entendent que le Créateur a ordonné. Les propriétés des eaux changent. Et quand tu sors, tu poses le pied. Toute ma vie a été une histoire de foi. Je ne retournerai plus sur ce lit. Après 38 ans de célibat, moi je me marie. Et tu viens de me dire, il ne t'est pas permis de te marier. Cet homme a été responsable. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, si tu me vois marcher avec ce lit, j'ai un mandat du spirituel. Si tu me vois monter des banderoles, si tu me vois me tenir à midi en prière, j'ai un mandat. Pendant le confinement, je cherchais Dieu. J'étais à genoux. Dieu m'a dit, donne-moi 3 jours. Je l'ai cherché. Et il m'a montré un animal. Il était tout noir. Il a dit, Dédé, tu vois cet animal? C'est lui qui contrôle la zone Afrique par rapport à Facebook. Il m'a dit, prends le dessus sur lui. Et 3 jours, enfermé, je ne mangeais pas. Et après, il m'a dit, va. Je te donne le mandat de midi en prière. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il m'a dit, Dédé, midi en prière, c'est du vent. Aucune frontière des nations ne va se fermer contre toi. Aujourd'hui, midi en prière, c'est plus de 1000 personnes en ligne chaque jour. Le soir, c'est plus de 10 000. À Kinshasa, chez nous, nous passons sur Biwan. C'est plus de 300 000 à 500 000 personnes. Et je bénis Dieu qui m'a préparé à cette dimension de rester moi. Je nous en supplie. Ya Solange, quand vous verrez que je vais bouger, appelez-moi au téléphone. Gangelangai. Et je bénis Dieu pour mon père Kali. Je bénis Dieu pour mon père l'apôtre Roland. Je vais aller vite. N'entre jamais dans une dimension donnée et attendue, main vide. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et c'est qui? C'est Jésus. Si Jésus entre avec des choses, et toi? Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. J'entrerai pas pour me pavaner. J'entrerai, je souperai avec lui. La dimension de ce que tu offres quand tu entres dans une dimension, la qualité de ce que tu offres quand tu entres dans une dimension détermine la longévité et même la montée dans cette dimension. Il ne faut jamais que ta renommée soit supérieure à ton identité. Jésus est allé où? Quand Jésus est allé, quand la reine de Sabé est arrivée chez le roi Salomon, il lui a dit, ce que la renommée m'a fait dire de toi n'est rien. Il y a plus. Écoute-moi. Je n'aime pas ces passages qui disent, je rendais ton nom grand. C'est dangereux. Quand tu as un nom grand, tu crées des attentes. Pas seulement en tant que pasteur, même en tant qu'informaticien. Quand on dit que tu as un nom grand, les gens s'attendent à des résultats élevés. Et malheur à toi si tu viens, tu opères dans une dimension où ta réputation est plus grande
que ton effectivité. Salomon était attendu là-bas. Mais quand il arrive, il opère. La Bible dit que la reine de Saba l'a éprouvé par des énigmes. Quand tu es grand, on ne va pas te poser des questions simples, on va te poser des énigmes. Et la reine de Saba a défendu ce qui a fait que la reine de Saba est restée là pendant plusieurs jours. Jésus à Samarie arrive. La femme lui dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Il dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Jésus lui dit, si tu savais, ainsi de suite, il t'aurait donné l'eau vive. Dès que Jésus parle de l'eau vive, cette femme lui dit, donne-moi cette eau. Quand tu arrives quelque part, tout le monde a l'eau, toi amènes l'eau vive. Amène ce qui est supérieur, ça va commander l'attention. La vie n'est pas gratuite. Si tu vois quelqu'un t'appeler boss, c'est que c'est un bosseur. Oh, les pasteurs, c'est facile. Deviens seulement pasteur, c'est facile. Il y a des vestes croisées. Viens, viens. Tu as fait 21 jours. Tu sors de ta chambre. Il y a des attaques. C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Ceux qui sont malades, mettez-vous debout. Il y a une gloire d'intelligence qui va descendre dans les quelques minutes. Pose la main là où tu es malade. Tu ne vas pas être guéri après, tu vas être guéri ici. Si c'est un kyste à ton sein, pose la main là. Si c'est un problème au pancréas, pose la main. Si ce sont les yeux, touche tes yeux. Je vois la porte de la guérison s'ouvrir pour quelqu'un. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche maman, touche papa, touche mon frère, touche ma soeur. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Que des kystes disparaissent, que des myomes s'en aillent, que des douleurs lâchent le corps et reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Les saintes baissent. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Comme on est en dehors du temps, rassoyez-vous. Mais si vous êtes guéri, restez debout. Vous sentez la guérison dans votre corps, restez debout. Mais sinon, rassoyez-vous. Voyez les responsables, vous êtes guéris. Qu'est-ce que vous aviez avant? Et qu'est-ce qu'il n'y a plus? Pas par la foi. Pas par la foi. Ici. Voilà, on va y aller rapidement parce qu'on est en dehors du temps.